Bonjour à tous, pour cette vingtième vidéo d'initiation au macro Excel, nous allons utiliser l'intelligence artificielle chat GPT pour créer nos macros. Je vais reprendre trois exemples plus ou moins complexes que nous avons vus dans les vidéos précédentes et je vais les soumettre à l'intelligence artificielle. Alors une des premières macros que je vous ai proposées permettait de mettre un fond vert aux cellules dont la valeur est supérieure à 500. Donc, de faire une mise en forme conditionnelle. Donc, je vais aller sur le site ChatGPT. Il faut d'abord vous créer un compte pour le moment gratuitement. Et ensuite, vous pouvez commencer à dialoguer avec la machine. Donc, je lui demande de me créer une macro Excel nommée Vert500 qui met un fond vert aux cellules dont la valeur est supérieure à 500. Après quelques secondes, il commence à me répondre. Et voilà la procédure qu'il me propose qui est exactement celle que je vous avais donné, donc de s'enregistrer, de donner le nom vers 500 à la macro. Excel va commencer à enregistrer toutes les actions. Ensuite, on fait une mise en forme conditionnelle. Si la valeur est supérieure à 500, on va mettre en forme. Et dans le format de cellule, on va choisir vert comme couleur de police. Et on arrête la macro. Mais de façon encore plus étonnante, je lui ai posé... Exactement la même question, et il m'a proposé une autre méthode, qui est de créer un programme vers 500, où la macro va parcourir toutes les cellules de la feuille active, chaque cellule étant appelée cellule, et si la valeur de la cellule est plus grande que 500, alors mettre comme couleur intérieure à cette cellule du vert, le code étant VB Green, et on passe à la cellule suivante. Donc là, il nous propose la combinaison Alt-F11 pour lancer Visual Basic et ensuite d'insérer un module. Donc je lance Excel, je fais Alt-F11, je me retrouve dans Visual Basic, insertion, module. Donc j'ai bien le module 1 qui est créé et ensuite de taper le code qui est là. Donc c'est ce que je viens de faire. Ensuite, pour la tester, je vais taper quelques valeurs. Par exemple, ces quatre-là. Développeur macro vers 500 exécuté. Et il m'a bien mis en vert les deux cellules dont la valeur est supérieure à 500. Alors passons à une macro plus compliquée, où cette fois-ci, on va lui demander de créer une macro qui demande à l'utilisateur un mois de naissance, donc entre 1 et 12, et qui va mettre en gras et en rouge toutes les dates de naissance de la colonne A de la feuille donnée, si elles correspondent à ce mois. Et en plus on devra également mettre un petit x dans la cellule à côté quand il y a eu une correspondance. Donc concrètement, si je choisis par exemple 3, il faut que ces cellules soient mises en gras et en rouge, et qu'à côté, je veux voir apparaître une petite croix. Comme vous le voyez, j'ai tapé exactement cette question à l'intelligence artificielle. Donc, la machine nous répond Voici comment tu peux créer une macro Excel qui demande à l'utilisateur un mois de naissance et met en gras et rouge les dates de naissance qui correspondent à ce mois. Donc, dans la boîte de dialogue Enregistrer la macro, elle nous propose de donner un nom, par exemple Formater date de naissance et de faire Créer. Donc, quand je vais dans Développeur macro, elle nous dit de donner un nom à la macro, par exemple Formater date naissance. Et ensuite de cliquer sur créer. Et on peut maintenant taper le code. Alors voici le début du code où elle a défini mois en tant qu'entier et input box qui va permettre de demander à l'utilisateur de saisir un mois de naissance. Donc on a la petite phrase entrer un mois de naissance entre 1 et 12. Ensuite, le programme va vérifier si le mois est bien entre 1 et 12, donc supérieur à 1 et inférieur à 12 et dans ce cas on va mémoriser dans Feuilles la feuille qui s'appelle Données, parce qu'on aura besoin tout à l'heure d'aller mettre en gras et en rouge les dates de naissance qui sont sur cette feuille. Ensuite, il va proposer de définir une plage, plus précisément sur la feuille Données, de sélectionner de A2 jusqu'au nombre de lignes qu'il y a en dessous. Donc on a ici une écriture très intéressante pour sélectionner les données d'une colonne. Une fois qu'il a la plage, il va parcourir chacune des cellules de cette plage, et si le mois dans cette cellule est égal au mois choisi par l'utilisateur, on va mettre en gras, donc bold vrai, mettre en rouge, et en faisant un décalage d'une colonne, donc zéro ligne et une colonne, il y aura un petit x à côté, et on passe à la cellule suivante. Donc on va tester la macro, j'ai toujours mes dates, j'ai appelé la feuille Données. je vais dans macro et je lance formater date de naissance. Entrez un mois de naissance entre 1 et 12. Donc je vais taper 3 et OK. Il vient de me mettre en rouge et en gras les dates et à côté j'ai mes petites croix. Dernier exemple, pour vous montrer à quel point cette intelligence artificielle est surprenante. Je lui dis que j'ai plusieurs feuilles Excel et je voudrais créer une macro qui récupère tous les noms des feuilles et qui va les mettre dans la colonne A de la première feuille. Peux-tu me créer cette macro ou éventuellement me faire créer cette macro Alors voici sa réponse. Donc à nouveau il nous dit d'aller dans macro, de donner un nom à la macro et de cliquer sur créer. Il propose comme nom récupérer les noms des feuilles. Pour le code, le voici. Donc, il définit feuille 1, qui va donc être une feuille Excel, comme la première feuille du classeur. Ensuite, il va utiliser ligne actuelle, qui va être un entier qui va commencer à 2. Ce sera le numéro de la ligne où il va écrire à chaque fois le nom des feuilles. Ensuite, pour chaque feuille dans l'ensemble des feuilles du classeur, il va récupérer le nom de la feuille, donc feuille.name. Et le mettre dans la colonne A de la première feuille, c'est-à-dire feuille 1. Donc, dans la cellule qui est à la ligne ligne actuelle et à la colonne 1, on va mettre la valeur, le nom de la feuille. Pour passer à la ligne suivante, la machine augmente ligne actuelle de 1 et on passe à l'autre feuille. Donc, j'ai la première feuille qui s'appelle données et ensuite différentes feuilles janvier, février, mars, avril et mai. Donc, je vais me mettre sur n'importe quelle feuille, par exemple avril, et dans n'importe quelle cellule. Ensuite, je lance la macro récupérer nom feuille, exécuter. Et si je retourne sur la première feuille, j'ai bien, à partir de la cellule A2, les noms des différentes feuilles. Voilà, j'espère que vous êtes aussi impressionné que je peux l'être. Et je vous dis à bientôt!